Mango, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui risque de vous plaire car elle m'a été énormément demandée sur les réseaux sociaux et lors d'une précédente vidéo dont je ne me rappelle plus. Mais voilà, je suis aujourd'hui revenue pour vous proposer une dégustation de foodies, de snacks américains. Comme toujours, si ma vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos avis en commentaire. Je suis à chaque fois ravie de vous lire. Bien sûr, vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux qui sont comme toujours listés en barre d'infos. Vous abonner, c'est simple, rapide et ça vous engage en rien. Il vous suffit également de cliquer sur le petit bouton qui s'affiche juste ici. Et pour ne rien louper, vous pouvez cliquer sur la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc les gars, sachez qu'aujourd'hui, il est 16 heures passées. Je n'ai toujours rien mangé depuis mon petit café du matin. Et je viens de finir, je viens d'entrer, j'ai allumé ma caméra et nous en sommes là. Donc comment vous dire que je suis autant impatiente de tout tester et de tout manger là. Donc voilà. Ici, j'ai tout regroupé dans un sac en papier, mais sachez que je me suis rendue chez Dollar Tree, 7-Eleven et aussi Publix pour acquérir toutes ces cochonneries. Donc nous allons commencer, je pense plutôt avec une boisson, et je pense que tous les Antillais qui me regardent connaissent cette marque. Donc c'est une boisson de la marque Sunkist, mais vous pouvez la trouver également en France. Et chez nous là-bas aux Antilles, nous l'avons sur plusieurs déclinaisons, donc soit au goût pamplemousse, orange, etc. Donc c'est l'équivalent un peu du Fanta. Et ce qui était drôle, c'est que j'ai trouvé celui-ci au goût strawberry limonade. Donc allez, j'ai hâte de tester. Regardez-moi comment c'est cute, le petit packaging et tout, tout rose, la limonade m'a l'air très chimique, mais bon, j'ai été prendre un gobelet quand même. Je ne vais pas faire ma sauvageonne comme à mon habitude sur les lives Instagram où je bois, amène la bouteille. Non, 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 là quand même, il y a un petit peu de respect, hein. Donc ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est qu'au niveau de la senteur de cette boisson, c'est très chimique. Ouais, et puis c'est entre la senteur des médicaments pour les enfants, les bébés, tout ça. Vous voyez une odeur de bonbons, mais assez artificielle. Donc une, deux, trois. J'aime pas. Ah, j'aime pas. En fait, c'est pas sucré, c'est trop artificiel et c'est même pas autant pétillant qu'on le voit là. En fait, c'est là dans le verre tout, mais c'est pas si pétillant que ça. Ah non, j'aime pas. J'aime vraiment, vraiment pas. Donc c'est un flop. Franchement, je recommande pas. C'est pas bon du tout en fait. Oulala, déception. Du coup, on va enchaîner avec quelque chose de salé. Et c'est assez connu aussi ici aux États-Unis. Le packaging est bien trop cute. Regardez-moi ça. Et en fait, c'est de la marque Golden Fish. Ce sont des crackers au cheddar en forme de petits poissons comme ceci. Et voilà, donc j'ai hâte de tester parce que franchement, depuis le temps que je suis ici aux États-Unis, que j'entends parler, eh bien, j'avais envie de me lancer. Du coup, les avis sont à chaque fois mitigés au niveau de ce produit. Oh là là, ça sent pas très bon, hein. Ça sent les croquettes pour chat, je dirais. C'est tout minuscule, regardez. Ah, c'est pas bon. Mon dieu, on commence mal cette vidéo. Franchement, c'est pas du tout bon. Attendez. En fait, non. Vous savez quoi? Ça aurait été super bon en guise de crouton dans une soupe parce que ça a vraiment le goût d'un bouillon. Ça n'a pas du tout le goût de cheddar, mais ils sont sûrs là. Je trouve que c'est périmé en fait. Même pas. Mais ah, c'est trop bizarre. Genre la fille qui vous dit qu'elle aime pas, mais elle continue à les manger. Non, mais on sait jamais, il faut goûter, tu vois. Non, non, non. Non, ben Golden Fish, désolé, mais j'aime pas du tout. Mais après, je pense que comme ce sont des petits snacks, ça se laisse manger. Tout dépend de vos goûts et voilà, mais ce n'est pas quelque chose que je vais racheter. Je suis contente quand même, j'ai pu le tester une fois dans ma vie ici aux États-Unis, mais voilà, sans plus, hein, vraiment. Next! Ah, aussi, j'ai oublié de vous dire, donc le Sunkist ainsi que les Golden Fish, donc les petits crackers en forme de poisson, je les ai achetés à Dollar Tree. Et cette fois-ci, chez Publix, j'ai acheté ces deux paquets de céréales. Donc ici, vous avez
enfin, ce sont deux marques super connues ici aux États-Unis, Lucky Charms et Trix avec un petit lapin ici comme ça. Et ce sont des céréales super connues parce que en fait elles ont des formes assez marrantes et ludiques pour les enfants, enfin pour les grands aussi j'ai envie de dire, mais leurs céréales sont colorées, donc j'ai hâte de tester. Et en même temps ça me fait un peu peur parce que c'est super chimique et ça je le sais. Donc on va commencer avec allez, Lucky Charms, et je pense que je vais pas aimer. Oh, c'est tout mignon. Je vais essayer de faire un focus quand même sur les céréales, mais ouais, allez. Ouais, c'est super bon en fait. Du coup, si vous connaissez les Cheerios, vous allez grave kiffer parce que à l'intérieur, vous avez des petites céréales de couleur beige comme ça. Je pense que vous n'allez pas voir parce que c'est tellement petit, mais beige comme ceci, et ça a un goût un peu des Cheerios. Et ensuite vous avez des petites formes comiques comme ici un croissant de lune tout bleu, et la texture est différente par contre, on dirait un chamallow séché, mais c'est bon à voir. Très bien. Next, à présent nous allons tester les Trix, et j'espère ne pas être déçue, mais du coup là, ça me plaît bien. Waouh, alors les Trix, eux ils ont pas du pâté au niveau du colorant, regardez-moi ça, c'est genre c'est jaune, vraiment jaune quoi. Ça. Je vous ferai aussi un focus soit en coin d'écran, pour vraiment voir, mais ouais. Ce sont des petites formes de fleurs, de lune, d'un peu de tout. Allez, 1, 2, 3. Ah, j'aime pas. Ici, on vous dit que c'est au parfum fruité. Donc, vous avez 6 différents fruits. Et, ah ouais. Ah ouais, donc le premier que j'ai eu, ça doit être du raisin. Mais le raisin, super artificiel, j'aime pas. Jésus Christ. Waouh, waouh, waouh. Je vais goûter un dernier qui est tout orange comme ceci. Non, j'aime pas. Définitivement non. Et en plus, je me dis comment je pourrais faire la comparaison de cela. Vous voyez les sucettes à l'orange vraiment acidulées avec une espèce de goût de colorant un peu bizarre. Ben, ça a ce goût-là. Alors imaginez ça dans votre lait, je trouve que c'est particulier. Poursuivons à présent notre lancée avec quelque chose de salé et de la marque Takeez. J'ai acheté ces chips qu'on vous dit être fuego, donc j'espère que ça va pas m'arracher la bouche parce que franchement je suis pas prête pour ça les gars, honnêtement. Donc au niveau du goût, on vous dit que c'est le Hot Chili Pepper Limes Tortillas Chips. Donc pourquoi tortillas? Parce que ce sont des chips enroulés bien sûr, et le goût Hot Chili, mon dieu, j'ai vraiment peur que ça m'arrache la bouche, j'espère pas parce que je ne suis pas prête pour ça. Mais si vous suivez, alors j'ouvre le paquet parce que sinon ça va faire du bruit. Si vous suivez ou connaissez le youtubeur Johan Pabst, il adore ces chips là. Et apparemment à chaque fois qu'il est en déplacement et qu'il peut s'en procurer, ben il le fait et il adore vraiment. Donc moi à chaque fois que je vois cette vidéo et qu'il en parlait, j'étais assez curieuse. Et aujourd'hui... je ne vais pas vous cacher que ce qui me dérange un petit peu, c'est le goût acidulé qu'on a. Je pense que ça vient du citron. Mais voilà. Les gars, je vous ai dit que ça arrachait pas. Mais en fait, quand tu enchaînes, je pense que je pourrais pas manger tout le paquet d'une traite comme ça. Pas possible. Quand tu enchaînes, tu sens vraiment le goût du piment, là, du piquant et tout. En ce qui concerne ce paquet de chips, je l'ai acheté chez 7-Eleven. Sachez que vous pouvez le retrouver dans toutes les grandes surfaces et même chez Walgreens et CVS qui sont des grandes pharmacies. Mais là-bas, vous pouvez trouver un petit peu de tout, les Américains, vous savez. Hein. Donc voilà pour ça. On va après enchaîner avec les autres produits et du coup, on repasse avec du sucré. Et ce sont leurs fameux bonbons réglisse au goût cerise qui sont super connus aux États-Unis. Là, je l'ai trouvé chez Dollar Street. J'ai eu ça pour 1$ et voilà, c'est pas négligeable. Donc, j'arrête de parler, je vais vous dire, mais meuf, mange ça. Ça sent chimique, mais ça sent bon. Ça sent vraiment le cherry et tout. Donc ça se présente comme ceci. Je pense que maintenant, vous voyez de quoi je parle.
En fait, ça n'a pas de goût. Ça colle dans les dents. Quand je mange ça, j'ai quand même l'arrière-goût de cherry, donc de cerise. Mais c'est pas sucré, quoi. Pour un bonbon, je pense. Maintenant, on enchaîne avec du salé. Encore une fois, quelque chose d'hyper connu, hyper famous ici aux États-Unis et dont j'avais envie de tester. C'est de la marque Jack Links et c'est de la viande séchée. J'ai pris l'original comme ceci parce que vous avez différents goûts mis. Et je me suis dit, bon, on va commencer avec l'original. Beaucoup de youtubeurs français, européens ou autres sont mitigés aussi au niveau de ce qu'ils pensent de cela. Moi, je ne vais pas vous cacher que j'aime beaucoup la charcuterie, notamment tout ce qui est saucisson, etc. Voilà, jambon cru, tout ça, tout ça. Donc, je me suis dit, la viande séchée, ça peut me parler aussi. Donc, nous allons tester tout cela ensemble. Jésus-Marie, ça commence par l'odeur. Oh, c'est une odeur de poisson séché qui est décédé, mais pas naturellement. Vous voyez ce que je veux dire? Oh là là, ça pue. Ah, mais du coup, pourquoi j'ai acheté ça en fait? J'ai même peur de tester. Oh. Ah bon, je ne sais pas ce que je vous aime bien. En plus, vous avez des gros morceaux comme as. Ah! Non, 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 on ne va pas prendre un gros morceau comme ça. On va essayer de prendre un qui est petit, comme ça. Ah, ça me fait peur maintenant. Désolée, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon du tout. Franchement, je pense que j'aime même le reprendre du Sunkist pas bon là pour tirer ça dans ma bouche. Oh là là, le goût là. Mmh. Oh, c'est pas bon. Mais ça doit être le pire truc que j'ai dû manger de toute ma vie. Mais de toute cette vidéo, c'est vraiment le. Oh là là. Mmh. Ah, c'est pas bon. Nous poursuivons avec les deux derniers produits de cette vidéo. Donc j'ai une boisson et de quoi manger. Du coup je vais vous présenter d'abord le petit snack à manger de la marque Charms. C'est Fluffy Stuff. Ça se présente comme ceci. C'est tout simplement de la barbe à papa. Et oui, les Américains, ils sont forts, je vous dis. Ils vous ont mis de la barbe à papa en sachet. Alors regardez comment ça se présente à l'intérieur, c'est tout compact comme ça, mais franchement, chimique, artificiel, bonjour quoi. Par contre, au niveau de la texture, ce n'est pas comme de la barbe à papa que vous pouvez acheter en fait foraine ou quoi. Mais au niveau du goût, ça va. J'aime bien le fait que ça fond en bouche comme la barbe à papa, mais ce qui me dérange un peu, c'est l'aspect là, comme ça, comme du coton, j'aime pas trop, mais... Attendez, parce que vous avez même du bleu à l'intérieur, donc vous avez trois couleurs, du jaune, du bleu et du rose, voilà le bleu. Donc les gars, si vous comptez visiter les États-Unis et vous êtes là pour un moment ou pas, mais que vous avez des centimes à dépenser, et bien allez chez Dollar Tree, vous pouvez trouver ce produit à 1$. C'est bon. Bon, dernier produit de cette vidéo, à présent on enchaîne sans perdre de temps, c'est de la marque Dunkin' Donuts. C'est un café glacé au goût vanille qui se présente comme ça. C'est le packaging, s'il vous plaît. Et... Ah ouais, ça... Alors, par contre, oh, ça sent fort le café. Mais vraiment. Donc, ça ressemble à cela. Et ça sent super fort le café. Mais vraiment, genre un café assez corsé. Franchement, j'adore. C'est très très bon. Et je regrette un peu de l'avoir bu après la barbe à papa parce que du coup, je pense que ça doit être plus sucré que ce que je pense. Mais je sens quand même le goût sucré. C'est vraiment la barbe à papa qui annule tout ça. Et bien voilà, mon goût, cette vidéo est présentée terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle ne vous a pas trop affamé. Moi, ça a pu boucher un petit trou en attendant parce que comme je vous avais dit, je n'avais pas encore mangé. Du coup, j'espère que partager cette vidéo avec vous, ça vous a fait plaisir. Si vous voulez voir un deuxième wang, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je m'empresserai d'aller acheter, découvrir de nouveaux petits snacks, comme ceci. Mais en attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour me soutenir en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste ici. C'est simple, rapide, ça vous engage en rien. Vous pouvez aussi activer la cloche des notifications pour être au courant des dernières vidéos. Me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont listés en barre d'infos. Et je vous attends en commentaire les gars. Donc quant à moi, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.